Alors, ce qui est capable de montrer un différent de comparaison faite à Madame Narcisse, c'est que il y a des gens qui estiment que nous-mêmes, famille Lavalas, nous ne prenons pas position. Ça veut dire, on observateur averti ou pas, mais pas qu'on est aujourd'hui à là, qui est monde qui Lavalas la vraie, qui est monde qui pas Lavalas là, qui sont les vrais Lavalas. D'ailleurs, il y a des gens qui parlent de famille Lavalas encore, jusqu'à présent, qui parlent de la famille Lavalas. Et il y a là-dedans, on a tellement qui joue un rôle important dans la famille Lavalas, eh bien, moun sa dit pour elle, ou pas qu'à dissocier la famille Lavalas, surtout lorsque la famille Lavalas, sa officielle là, je dis, pas la coordonnatrice là, d'ailleurs, tout le monde te connaît, c'est lui qui a un contact avec le président Jean-Bertrand Aristide, c'est lui qui a un mandat à l'emmené, mais nous pas jamais dit X, Y ou Z par Lavalas, peut-être son stratégie politique, mais en même temps, tout c'est moun ont accepté que les gens des retombées négatives. Et ce qui est important pour connaître, c'est que l'article 8, charte organisation, ce bagage dit qu'on ne peut pas avoir deux partis politiques à la fois. Donc, le monde qui n'a pas de parti politique, d'office, il n'est pas qu'un membre de la famille Lavalas. Mais cependant, à partir de charte, la charte ne permet pas à aucun moment de chasser ou de mettre dehors un membre d'organisation. Pour ça qu'a fait, il faut que le dossier présenté au niveau de l'Assemblée générale, elle a fait congrès, pour que des décisions qui prennent sur les gens qui commettent des infractions et qui pas mérité vraiment pour une membre organisation. Or, ce qui est arrivé, c'est que le dernier congrès nous a daté de 2003. Et nous avons supposé faire congrès chaque 4 ans. Or, nous tenons en situation de côté représentant national, nous tenons exil forcé. Nous n'avons pas faire un congrès des dôles pendant que nous sommes là. Et nous tenons une période aussi de mobilisation continue pour permettre justement retour aux représentants nationaux. Donc, à ce moment-là, donc nous en retard, c'est une étape qui marche vers l'iconière, vers le congrès. Donc, toute bagaille qui vient pour résoudre, c'est à l'intérieur du congrès que la résoudre, c'est à l'intérieur du congrès à la discuter. Et c'est le congrès qui prend des décisions finales par rapport à certaines questions. Heureusement, nous avons un congrès à l'agenda nous. Matin là pour nous parler de lui, nous prenons un exemple, nous connaissons quelqu'un qui est difficile pour vous, pour aller nommer nos monde. Et par exemple, il y a l'ancien sénateur, le docteur Gilles, qui déclarait dans la radio que au cours de l'inauguration faculté de médecine, qui est dans l'université Aristide, président Jean-Bertrand Aristide a parlé. Là, pour un discours qu'il a fait. Imaginons, le président Aristide qui journait depuis le tournée, qui est en loi avec Montelli, alors Gilles a annoncé qu'il allait parler. Et on est quitté qu'on parle en pile, je veux dire, à qui bébé, la interprété différemment, c'est normal. On est en pile, on attend qui ça, président Jean-Bertrand Aristide, pour le dire dans le discours. Enfin, d'être arrivé, on a l'autre membre la Lavalas qui dit la radio tout, nous-mêmes, pour au courant de l'information, ça, que y'a pas la radio. Voilà, il est arrivé que je vois arriver vraiment vrai, président Aristide va parler. Est-ce que sénateur Gilles te bat une mauvaise information? Est-ce que le monde qui était pour démentir, bon, pas un démenti, mais quand même, il dit que nous n'est pas au courant, c'est lui qui a raison. Mais est-ce que c'est normal que on monde a dit des choses qui n'est pas vrai, qui engage l'organisation et que ça ne dérange personne? Bon, oh, je n'ai pas dit que ça n'a pas dérangé personne. Effectivement, et docteur Gilles n'a pas autorisé pour lui parler. Et encore moins, il n'a pas représenté l'université. Fondation Aristide là, pour t'annoncer que pas de ouverture, qu'il est pas de ouverture et que le président Aristide n'est pas le porte-parole du représentant national. Donc effectivement, c'est un problème que nous adressons et ce problème n'a pas adressé justement dedans l'organisation, question de discipline au sein de l'organisation. Nous connaissons que pendant toutes ces dernières années, et tirer à droite, tirer, et Mounio Tapessé est vraiment fait des ordres dans l'organisation, hein. Mais je dis en plus que jamais, nous pas faire des déclarations publiques, mais là, on incident d'arriver, il y a des mesures qui prennent et pour que ça ne pas reproduire. Okay. Et si nous avons un exercice des mondes que nous pensons, il y a la valace toujours, pas formule la valace toujours, ou tu n'as pas l'air d'un exercice comme ça? Bon, moi, pas poser problème dans pour ça, même. Monde qui forme la valance. Mais quand même, madame, n'a pas accepté. Monde qui pas forme la valance. Il y a des gens qui tellement qu'on bon rayonnement politique lorsque ils l'ont parti, ils portent un peu de bagage, lorsque ils parlent tout quand même, ils allaient avec un peu de bagage. Oui,
même là on monde font erreur, ça pas veut dire que le pas dans organisation, parce que pas oublier que nous avons des règlements internes qui permettent qu'en fonction de en faute commise, il y a des décisions, il y a des sanctions capables vis-à-vis d'un membre. Nous pas en général nous laver linge sale nous en famille. Donc et c'est ça qui embête un peu le monde, parce que t'as aimé que tout de suite gagnent des bagailles qui fait publiquement. Ça qui fait publiquement, c'est que nous avons une interview. Et sous New York, moi dit que non, il n'en était pas question. D'ailleurs, la preuve, c'est que c'était vrai. Fondation et université ont ouvert le 27. Hein? Ils ouvert très bien, et parce que c'est une université. Et nous parlons aujourd'hui en tant que responsables, nous pas qu'à mélanger justement et une université avec et politique. Ok, comme on a dit ça. Moi, je pense que c'est très important, nous responsables. Ça veut dire non pays côté qui n'a pas d'université, en pile université, où il y a 40 000 petits mouns chaque année qui sortent d'examen baccalauréat, première partie, deuxième partie. Est-ce qu'on peut arrêter aujourd'hui pour une université additionnelle pour quitter que l'université ait un ballon caractère politique? L'université n'a pas un caractère politique. Étudiants qui l'ont, c'est des étudiants de tous les secteurs, sous tout le pays, qui appliquent, qui passe son examen et qui est admis dans l'université. Parce que ce n'est pas bon bagage dans l'université qui marque effort dans tel parti politique ou bien effort dans tel. Pour participer dans l'université, c'est un autre niveau, son autre domaine. Et son domaine que le président Aristide te prend engagement pour côté l'Alta quitté Afrique du Sud, que tu n'as pas le côté appui dans le domaine de l'éducation. Donc je dis, mes résultats. Université a ouvert et nous parlerons encore de l'autre bonne nouvelle d'ici début année prochaine, parce que nous connaissons campus universitaire et il faut qu'il y ait de l'autre faculté qui ouvre tout. Et moi je pense que mon pays, côté que pour 40 000 personnes qui sortent dans l'examen baccalauréat, université privée plus publique pas qu'à recevoir plus que 6 000. Donc, si on gagne plus l'école. Mieux ouvrir l'école, c'est mieux parce que il est bon. Alors on connaît tout débat que l'université ça a été suscité. Bon, et nous pas tourner sous ça, il y a mon qui reproche le président Aristide le fait que il était fait des universités à un bien privé pendant que c'est des dons qu'il recevait sur nos pays. Il y a un recteur de l'université qui a suggéré pour que sa université a pas entré en bas ombre la université d'État d'Haïti. Bon, ça est son débat, mais ça qui est important quand même, vous comprenez que le président Jean-Bertrand Aristide a fait éducation, bon pas un monde qui capable parler vraiment de développement durable pour Haïti sorti côté le sorti là avec un taux d'analphabétisme aussi élevé côté professeur Maningale a parlé d'université néolithique. Est-ce que nous avons dit nous avons des universités? Est-ce que c'est pour un secondaire avancé le niveau que nous y a là, nous conscients de toute faiblesse là? Mais quand même Jean-Bertrand Aristide était une personnalité politique incontournable. Corée mène, Corée mène, et son nègre, nous pas bien prétention, vous nous avez dit, est-ce que l'a défié le temps, côté son monde, même temps, pas capable de faire mon oublier, mais je dis à là, il y a un silence qui dérange. Ou parler de, nous pas l'organiser congrès, bientôt. Si oui, qui le, qui côté, est-ce que mon après président Jean-Bertrand Aristide prend pas active dans le congrès? Oui, alors il faut dire que c'est un peu une question. Parce que nous sortis de l'université, hein, côté que vous dites que nous sommes reprochés pour l'université. Hein. Je pense que ça a fait partie de la campagne anti-Femme Lavalas qui t'a mené. Dans le pays, hein, tout est plein d'universités privées. Ce n'est pas l'université, hein, c'est l'université de la Fondation ici qui sont fondations reconnues et qui doit négocier avec n'importe quelle institution. Et comme je t'ai dit, Taïwan, ce n'est pas seule université que l'aider. Il y a de l'autre université privée, l'autre école privée, dans le cadre de ça. Qui ça a été reproché à le président Aristide, c'est qu'il était président. Et puisque la fondation était liée avec lui, peut-être que le pape Bourguin est une université. Bon, moi-même, je ne vais pas entrer causer ça avec. Sous nos camps, sous les fonds qui sont en train de poser problème comme ça, mais la fondation elle-même en tant qu'institution doit ouvrir son université. Et l'université ça a été ouverte. Il faut nous conscients que tu as trois promotions de médecins dans la faculté de médecine là, et que l'aéroportie, n'importe qui pays est prêt pour recevoir, parce que c'est ton programme international et que étudiants de niveau pour quitter Haïti pour aller dans n'importe quelle université pour commencer
côté où tu es arrêté. Et c'est ce qui est arrivé. Étudiant, tu es bien formé. Donc, tu es allé à Cuba, tu es allé au Venezuela, tu es allé dans l'école de médecine Panama, dans n'importe quel pays, en Espagne. Et pour tu es allé continuer l'étude de médecine. Aujourd'hui, sa université, justement, à Bay, c'est une formation de qualité. Ce n'est pas parce que n'a pas augmenté l'accès à l'université pour défavoriser, classe défavorisée, pour nous bailler une formation au rabais. Université 1 pral non niveau extrêmement élevé. Nous demandons niveau 1 académique là, excessivement élevé. Nous demandons un certain niveau pour examen et pour tout le monde passer. Notre pour être passé est très élevé. Et ensuite, je dis, malgré ça, nous pouvons commencer avec une langue étrangère, mais nous avons mis à niveau tout pour les matières de base et le français. Donc, niveau 1, ce n'est pas on l'école, en formation, au rabais, parce que nous avons accès à l'éducation, à des classes défavorisées. Son formation pour que justement, nous jouons au niveau d'éducation qui est comparable à n'importe quel autre pays. Maintenant, nous allons retourner à la question. Alors, pour terminer, dans l'université, quoi je dis là, vous avez remarqué que ça fait couler moins d'encre. Ce n'est pas le fait que, bon, je ne sais pas les gens qui mettaient formation, qui mettaient capacité niveau université en doute. Je ne sais pas les gens qui sont capables de critiquer le fait que le président Gilbert Aristide, alors le docteur Gilbert Aristide, je dis, prend initiative pour créer une université. Son droit au contraire, son bagage, qui a été applaudi. C'est le fait que les gens qui estimaient que l'université a pris ce voir, c'est ton corps, pas à la fondation Aristide, c'est ton corps. Au pays d'Haïti, alors t'as plus bon que si l'université a été entrée dans le cadre de l'université, l'État pays. Alors c'est là le débat de situation. Non, non, non. Alors ma réponse justement, si je veux dire, tu as une preuve que c'est encore pour le gouvernement que tu as ils font une université privée, tu as qu'à poursuivre l'université et poursuivre le docteur Jean-Baptiste Aristide, ce qui n'a jamais été le cas. L'université est l'université de la fondation Aristide pour la démocratie et une fondation reconnue dans le pays qui est enregistrée et qui a le droit d'engager des négociations pour ouvrir une université. Donc moi-même, je dis que on était sérieux sur point ça. Et moi-même, à ce moment-là, bon, je vais plus loin et pendant le gouvernement Lavalasla, la majorité des institutions des universités te recevoir appui pour Yoka et Etanio. L'université d'État d'Haïti te recevoir un gros terrain pour faire un campus universitaire. L'université Kiskeya avait reçu du gouvernement l'appui pour appuyer l'université. Et tout le monde, ça veut dire que là, je n'ai pas de rapport là, pour me dégager chiffres okay. Et pour me dire exactement ça, chaque université te recevoir. Est-ce que l'État a pour rôle d'appuyer justement le processus de développement des universités, des institutions de formation supérieure dans le pays. Donc ce qui est arrivé, c'est que ce qui a eu après la création de l'université, il y a eu un accord avec le ministère de la Santé publique pour former des médecins. L'université forme des médecins, mais qui était signé un contrat pour qu'à leur retour, il y a 3 ans au pays qui payait étudiants pour eux. Donc ça veut dire que tout ce qui a été fait dans le cadre légal, en respectant le rôle de chaque institution dans le pays. Et donc je veux dire, s'il n'est pas fait bien et vraiment transparent et propre, c'est un bagage, je veux dire, que tu as mis sous table pour dire, mais ça qui est fait, qui n'est pas bon. C'est beaucoup de parler en pile, mais jamais de pièces, de preuves et de pièces pour supporter ça qui dit. Pour le Congrès, c'est pour quand est-ce qu'on va voir le président Aristide physiquement prendre la parole, fixer ses positions, ses ambitions? Bon, le Congrès est une étape. Ce que nous faisons, c'est le moyen terme pour nous. Ce que nous faisons actuellement, ce que nous avons fait justement dans l'organisation Famille Lavalas, c'est renforcer la structure organisation à tous les niveaux. Nous avons des commissions permanentes. Actuellement, commission renforcer les coordinations départementales.
Et nous pensons que depuis le retour du, et de Dr. Aristide, nous avons fait sortir un communiqué pour dire, pour demander à toutes les familles pour continuer à renforcer, multiplier. Et les familles, c'est une unité qui est plus petite dans l'organisation politique féminine. Il est composé de 10 personnes qui ont réfléchi sur la problématique du pays. Donc ça fait depuis notre section communale. Donc nous demandons de continuer à multiplier, continuer au travail, marquer sur papier, comme ça aurait comme problème pour payer, pour zone, ok. Et ça aurait que tu as besoin de changer tout au niveau de l'organisation. Donc travail ça a commencé, nous avons un renforcement des structures à tous les niveaux dans l'organisation. Mais bagages tout n'a pas rassemblé force. C'est cimenter unité en amitié pour que nous puissions refaire. Puis devant et au 16 décembre 90. Donc, nous avons rassemblé les forces, nous. Dans ce sens, la famille Lavalas ouvert pour recevoir tous les membres, ou bien tous les nouveaux membres, ou bien un membre qui voulait tourner, qui voulait rebâtir l'organisation. Ce n'est pas un bagage anormal dans aucune organisation. Il fait dans toute organisation. Il y a un moment pour camper ou changer, mais on joue pour estimer encore que l'organisation est en train de faire et pour retourner. Donc, organisation structurée pour recevoir tout nouveau monde, accompagner nouveaux et accompagner anciens qui font camper pour que vous remobilisez cette pour que l'organisation arrive plus fort. Bon, alors, moi, c'est que c'est un peu ambitieux. Refait en 16 décembre 90, on a rappelé que ça veut dire qu'on a parlé des élections présidentielles. Mais encore une fois, est-ce que. Alors, 16 décembre 90. Ce ne sont pas les élections présidentielles, mais c'était cette mobilisation de toute. Mais quand même, c'est mouvement ça qui était porté Jean-Bertrand Aristide, en campagne là. Qui mobilisation ça justement pour porter changement dans le pays, changement dans la condition de vie population haïtienne. À travers quoi? À travers qui? Et pour nous reprendre justement chemin dignité ça, que nous chemin qui est important pour nous. Donc mouvement ça, c'est nous commencer, ça veut dire que restructuration ça, commencer mettons mobilisation de famille Lavalas. Alors Madame Nas, est-ce que le président Jean-Bertrand Aristide a pris un congrès? Nous pas arriver dans le congrès. C'est à partir de renforcement structure ça que nous pouvons organiser le congrès. Mais c'est pas oublier que le congrès a pour le fait, il est obligé d'abord au congrès, des mini-congrès qui font dans les communes, dans les communes, congrès au niveau départemental, pour nous arriver à congrès national et à la grande assemblée générale de l'organisation. Donc, il faut nous passer toute étape. Nous, processus de renforcement, de mobilisation de nos forces sur le terrain, c'est une première étape. Pour que nous arrivions à congrès, mini-congrès départemental, pour nous arriver à congrès national. Est-ce que le président Aristide a plat? Bon, nous souhaitons que la plat soit au congrès national organisation. Mais pour le moment, d'abord, c'est ce qu'il avait dit. Il était dit qu'il a tourné, il pourrait la donner l'éducation. Et que c'est ça que vraiment, c'est à ça que le poil baille la majorité de son temps. Et c'est ça que le fait, mais il était là. Ils sont conseillés et n'ont pas avancé et nous croyons que, mais espérer que